Revenir sur les histoires d'automobile, donc un siècle après, puisque l'industrie de l'automobile naît à la fin du 19e siècle, comme vous le savez mieux que moi. Les liens entre l'industrie automobile et la question de la pollution sont fondamentaux, je crois, parce qu'on peut distinguer au moins trois liens. D'abord, le premier lien qu'on peut rappeler, c'est que les voitures individuelles, les automobiles à moteur thermique, ont été présentées, ont été justifiées dans les villes à partir de la fin du 19e siècle au nom de la lutte contre les pollutions, au nom de la lutte contre l'insalubrité qui caractérisait les grandes villes de la fin du 19e siècle. L'un des gros problèmes des grandes villes européennes de la fin du 19e siècle, et d'Amérique du Nord aussi, c'est la pollution urbaine liée à l'omniprésence des animaux en ville. On est à l'apogée de l'attraction hippomobile. Il n'y a jamais eu autant d'animaux à Paris qu'autour de 1900. Les premières grandes compagnies de transport collectif se font via la mobilité hippomobile. Or, ces dizaines et dizaines de milliers d'animaux qui sont présents dans l'espace urbain apparaissent comme une source d'insalubrité, de contamination du milieu, mais aussi de risques à cause du caractère incontrôlable de ces animaux. Et c'est vraiment quelque chose qui préoccupe au plus haut point à la fin du 19e siècle. Et les premiers constructeurs, dans leur volonté de construire du désir à l'égard de ce nouvel objet technique qui est la voiture, vont largement jouer là-dessus. Et la voiture va être présentée comme un instrument d'assainissement de l'espace urbain et de diminution de tous ces embarras urbains qui caractérisaient les grandes métropoles en croissance de la fin du 19e siècle, les embouteillages, etc. La voiture était l'une des manières de résoudre ces problèmes. Alors la deuxième lien entre l'automobile, donc c'est intéressant de rappeler ça, c'est-à-dire que la voiture s'est installée dans nos sociétés avec cet imaginaire que c'était un objet qui allait permettre de résoudre l'un des problèmes structurels dans l'espace urbain de la fin du 19e siècle. Alors néanmoins, très rapidement, la voiture, elle est censée résoudre des pollutions, mais elle introduit aussi de nouvelles sources de nuisances, de nouvelles sources de pollution, qui vont assez rapidement faire l'objet de discussions, puisque à la fin du 19e siècle, quand la voiture arrive, il y a un gros problème de pollution urbaine. Alors c'est la pollution liée à la présence animale qui est très forte, qu'on a évidemment oublié. Il y a un deuxième grand problème de pollution urbaine, c'est la pollution, c'est ce qu'on appelait les fumées charbonneuses, les pollutions liées à la combustion du charbon. Avant, la pollution liée au pétrole dans les moteurs thermiques, c'était la pollution du charbon dans les machines à vapeur qui va entraîner la première émergence de la question des fumées, de la question des pollutions urbaines. Et les premières tentatives de réglementation de ces fumées urbaines concernent les machines à vapeur, dont le nombre s'est multiplié dans toutes les grandes métropoles à la fin du 19e siècle et qui servent pour toute une série d'activités. Les centrales thermiques commencent à produire de l'électricité et tous les ateliers et usines utilisent des machines à vapeur comme moteur. Or, les machines à vapeur, malgré l'amélioration continue des machines à vapeur au cours du 19e siècle, les émissions de substances toxiques sont très abondantes et provoquent énormément de débats. Alors, il y a les mêmes discussions qu'on a dans la deuxième moitié du 20e siècle autour des moteurs des voitures, on les a, ou dit dans la deuxième moitié du 19e siècle, autour des machines à vapeur. On essaye de mettre en place des techniques de dépollution des machines à vapeur pour réduire les émissions, avec des centaines de brevets qui sont développés, puisque la seule manière de rendre possible l'industrialisation, c'est de dépolluer ces machines, de réconcilier l'espace urbain avec cette nouvelle source d'énergie. Donc on va mettre en place des normes d'émissions. Il y a des enquêteurs qui circulent autour des usines dans les années 1880 à Londres pour évaluer le degré de pollution des machines à vapeur en fonction de la couleur des fumées qui sortent des cheminées. Il y a d'ailleurs tout un débat qui s'engage dans le domaine de la chimie pour mettre au point des instruments de mesure de degré de pollution et du degré de dangerosité de ces fumées des machines à vapeur. On imagine plein de filtres, on imagine plein de techniques pour filtrer. Et donc, quand la voiture apparaît dans l'espace urbain, la question des pollutions atmosphériques provoquées par ces voitures va se poser en fait assez tôt. Des premiers textes que j'ai trouvés, c'est dès 1910, un constructeur automobile allemand va publier un petit essai qui s'appelle « Sur le problème des fumées automobiles ». En 1910, sur le problème des fumées automobiles, où la question que pose cet industriel, c'est de savoir si ces fumées automobiles sont plus dangereuses ou pas que les anciennes fumées charbonneuses, quelles vont être leur ampleur, comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement les réguler. Et donc d'emblée,
Hein, au début même de cette nouvelle trajectoire de mobilité, cette question, elle se pose. Il y a plein d'enquêtes médicales qui vont avoir lieu dans les premières années de la diffusion des automobiles. Dans les années 1820, vous avez déjà des enquêtes médicales qui essayent d'évaluer l'impact des fumées automobiles sur la population. Dans le Journal of American Medical Association, il y a en 1926, par exemple, il y a une enquête qui est publiée qui révèle que parmi les policiers de Philadelphie aux États-Unis, il y a des taux anormalement élevés de monoxyde de carbone dans leur sang. Ce qui, donc, il y a les premières alertes médicales, en fait, sont contemporaines même de l'industrie automobile. C'est le deuxième point que je voulais souligner, c'est que, en réalité, la question des fumées, de la dangerosité des pollutions des automobiles n'a pas cessé d'accompagner l'histoire de l'automobile, avec des moments où elle surgit, des moments où ça retombe, où le problème disparaît parce que on met au point de nouvelles formes de motorisation, parce qu'il y a d'autres urgences qui s'imposent, ou parce qu'on promet, enfin je vais y revenir rapidement, parce qu'on promet la voiture propre. La voiture propre, c'est une promesse qui accompagne toute l'histoire de l'industrie automobile et toute l'histoire de la voiture, en fait. Alors, il y a le troisième point que je voulais dire là, dans ces liens entre automobile, voiture et pollution, c'est que, évidemment, on va se concentrer, en particulier à partir des années 60, où la voiture va devenir, notamment à partir du cas de Los Angeles, qui va être le premier cas de ville enfumée par la circulation automobile très médiatisée dès les années 1960. Hein, en fait, il va y avoir une substitution. Les anciennes fumées urbaines qui résultaient des machines à vapeur et de la combustion du charbon, sont remplacées par les nouvelles fumées urbaines provoquées par la circulation automobile. La substitution se faisant entre les années 40 et les années 60-70, c'est-à-dire au moment où la combustion du charbon disparaît des grandes villes d'Europe de l'Ouest, où l'industrie qui utilise ce charbon disparaît du tissu urbain. Mais les anciennes fumées, le smog provoqué par le charbon, va être remplacé en fait par les nouvelles fumées et le nouveau smog provoqué par l'automobile au moment où il y a une massification de l'usage de ces automobiles. Mais je voulais ainsi, bon, je l'évoque juste, il ne faut pas perdre de vue, il me semble qu'il y a un troisième lien entre le monde de l'automobile et la question de la pollution. C'est qu'au-delà au-delà des pollutions de l'air, produit par le moteur à combustion interne et la combustion de l'essence, du pétrole, etc. Au-delà de ces fumées, le monde de l'automobile est un monde de la pollution. Tous les aspects de la voiture sont des sources de pollution. On pourrait développer le cas des pneus. Le cas des pneus, qui est une source de pollution assez massive, les millions de tonnes de pneus qui sont déversées dans les mers, dans les océans, par tous les grands producteurs et tous les grands industriels du secteur automobile, sont un autre type d'impact environnemental provoqué par l'industrie automobile. Plus les voitures se sont améliorées, perfectionnées sur le plan technique, plus les composants composent la voiture se sont complexifiés, le nombre de métaux qui interviennent dans la production d'une voiture ne cesse de s'accroître, souvent de plus en plus des métaux qui sont compliqués à produire, compliqués à recycler. Et donc il y a dans l'ensemble du cycle de vie d'une automobile toute une série de phases de pollution, depuis l'amont jusqu'à l'aval, depuis la production jusqu'à la décharge et jusqu'à l'émission et au rejet de substances dans l'air. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Quand on parle des pollutions de l'automobile, on pense aux pollutions des particules fines des diesels dans les grandes villes d'Europe de l'Ouest. Mais en fait, il y a une pluralité, une grande diversité de pollutions qu'il faudrait prendre en compte.